Viens là. Ah ouais, non mais... Ça tombe bien, moi aussi. Vous faites quoi, vous? Moi, comment? Vous faites votre sprint? Non, vous courez? Oh, hélas. Je me contente de marcher, c'est déjà beau. C'est déjà bien. Non, mais j'ai fait 2 accidents vasculaires cérébraux. C'est vrai? Oui, ah, oui. C'est le cœur qui s'est arrêté? Ah, c'est pas le cœur, c'est le... C'est le cerveau? Oui. Vous avez toute votre tête, là? Oui. Vous l'avez encore? À peu près. À peu près, vous avez récupéré. Oui, à peu près, c'est pas... Ah ben vous le prenez bien, c'est, plutôt. C'est comment? Vous le prenez bien? Absolument, il le faut. Ah oui? Ah ben oui, si je surmontais pas, c'est la fin. Vous l'avez eu quand, votre... Oh, j'en sais rien. Ah, vous savez pas? Je sais pas. Dans le sommeil que vous l'avez... Rien. Ah, vous savez pas? Je sais pas. Dans le sommeil que vous l'avez... Comment? Ça vous est arrivé... Je ne sais pas. Ah oui? Je ne sais plus. Vous n'avez pas été dans le coma? Je ne sais pas. Ah oui. Bon. Non, le secret, c'est que vous avez votre tête. J'ai ma tête. Et vos pieds aussi. Oh, c'est important. Et comment? Oui. Je tiens debout, je marche, je ne tombe pas. Je tiens debout, je marche, je ne tombe pas. Je tiens debout, je marche. Je ne tombe pas. Je répète ça à longueur de journée. C'est la méthode, qu'on appelle ça, la méthode couillée. Appelez ça comme vous voulez. C'est une méthode qui marche bien. Voilà. Donc, j'accompagne ma femme. Bon, c'est pas moi qui conduis, bien entendu, et pour cause, parce que ça c'est fait des années que je n'ai pas conduit. Oui. Et donc, ma femme est là avec une amie, elles font le tour du lac, on se retrouve, et puis, vous ne savez pas. Je ne sais pas. Dans le sommeil que vous l'avez... Comment? Ça vous est arrivé... Je ne sais pas. Je ne sais plus. Vous n'avez pas été dans le coma? Je ne sais pas. Ah oui. Bon. Non, le secret, c'est que vous avez votre tête. J'ai ma tête. Et vos pieds aussi. Oh, c'est important. Et comment? Oui. Je tiens debout, je marche, je ne tombe pas. Je tiens debout, je marche, je ne tombe pas. Je tiens debout, je marche. Je ne tombe pas. Je répète ça à longueur de journée. C'est la méthode, qu'on appelle ça, la méthode couillée. Appelez ça comme vous voulez. C'est une méthode qui marche bien. Voilà. Donc, j'accompagne ma femme. Bon, c'est pas moi qui conduis, bien entendu, et pour cause, parce que ça c'est fait des années que je n'ai pas conduit. Oui. Et donc, ma femme est là avec une amie, elles font le tour du lac. On se retrouve, et puis, Ah ouais, quand même. Je ne vous dis que ça, hein. Vous non, dites mais ça autre chose. C'est bien. Oui. Je sors tous les matins, marche tous les matins. Combien? Vous marchez combien de temps, à peu près? Oh, 10 minutes, c'est pas... Dix minutes, pas plus? Non. Ah ouais? Non. 10 minutes. Ouais, ça vous va, 10 minutes? Ça va? Posez pas de questions pareilles, bon. Non, mais 10 minutes, c'est déjà bien. Oui. Moi, je fais 20 minutes. Ah, ça, c'est bien. J'essaie de faire tout le tour. Ah, ça prend 20 minutes, le tour. Ah. Je marche un tout petit peu plus vite que vous, parce que j'ai sûrement le chien. Bah oui, c'est ça, oui. Mais sinon... Tifi. Allez, tu viens me voir, Tifi. Viens là. Bonjour, Tifi. Oh là là, adorable. Viens ici, viens. Oui, parce que là elle a envie de courir. Viens, mon chien, viens dire bonjour à papy. Il a fait de la résistance. Faut pas les embêter. Les chiens? Ouais. Bah, les humains aussi. Bah, attendez. Bon. Les humains, il faut pas les embêter, non? Vous êtes un optimiste, vous, hein? Bah, si. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si je veux m'en sortir... Écoutez, je vais vous dire une chose. Oui. L'après-midi. Bon, le matin, ça va, je sors. Pour faire mes courses, pour acheter mon pain, etc. Votre steak. Et l'après-midi, je me force. À sortir? Oh, punaise. Non, mais ça... Parce que si vous sortez pas, vous déprimez. Ah ben, si je sors pas... Vous êtes devant la télé. Je n'ai pas la télé, Dieu merci. Non, si je ne sors pas, c'est la fin. C'est la fin d'Erico, là. C'est la fin. Donc, vous avez une bonne philosophie. Vous avez vous voulez. Philosophie ou philosophie. Voilà, c'est... Comment? C'est mon chien. Vous l'aimez bien? Allez-y, prenez-le. Je vous donne la lettre. Vous le nourrissez bien aussi, hein? Tu l'accroches.
Allez, monsieur, je vous embête pas. Mais je vous parce en que je veux prie, pas, c'est vous... pas du tout. Moi, j'ai la... je parle aux gens parce que j'aime mais les gens. Absolument. Et il y a des gens qui aiment pas qu'on leur parle. Eh ben, écoutez, qui se taisent et puis... qui se taisent, vous avez raison. Non, qui se taisent. Bon, ben voilà. J'accompagne ma femme, ouais. Qui est beaucoup plus jeune que moi. Elle a quel âge, 20 ans? Je suis de plus... 20 ans non, moi j'en ai 84, elle en a 60 et quelques. Bon, ah, elle a... nous avons 20 ans d'écart. 20 ans d'écart, vous l'avez eu à vers... 18 ans d'écart. Vous l'avez eu à quel âge? Qui? Votre femme, vous l'avez draguée à quel âge? Ah bah, c'est ma quatrième épouse. Ah bah, vous les usez, vous? Vous les avez usées, alors? Oui. Ah, dis donc, vous n'êtes pas commode, hein? Non! Ah, ah bah, dis donc, quatrième femme que vous avez usée, comme ça. Non, non, mais. Ah, dis donc, on ne croirait pas comme ça. C'était bien, enfin, la première femme est décédée peu de temps après ma séparation, oh, mais ouais. Ma deuxième femme ouais. M'a donné un fils. Ah, bah, c'est déjà bien. Et avec ouais. qui on s'entend bien. Vous entendez bien? Puis, sur tous les rapports. Sur, alors, bon, après, nous avons divorcé, après la naissance. Oui. Et puis, un coup. Depuis, alors, je ouais. me suis marié pour une troisième fois. Oui, vous l'avez tiré. Et on s'est séparés. Ouais. On a divorcé et on est resté en très bons termes. Ah bah, alors, oui, elle vient mieux. Me voir. Et de temps en temps, vous... Voilà, vous, assez souvent. Voilà, elle vous tire un coup. Voilà. Ça fait pas de mal. Et là, donc, c'est ma quatrième et quatrième. Légitime, mais nous n'avons pas d'enfants ensemble. Ah, vous avez rien fait, donc. Non. Ah. Non. Vous l'avez eu à quel âge, celle-là? Oh, faut pas. Ah, oui, non. Faut pas poser des questions aussi. Non. Je comprends. Je comprends. En tout cas, vous êtes bien avec celle-là. Ah, oui. Ouais, vous êtes bien. Absolument. Vous êtes bien. Vous savez, rien n'est jamais parfait. Hein. Mais elle est gentille déjà. Elle ne mord pas, donc elle ne vous a jamais mordu. Elle est très attentionnée. Ben, ça, c'est bien. Donc, elle fait très, mord très pas les couilles. C'est essentiel, ça. Ouais. En plus, presque un peu trop ouais. attention. Ah oui, ah oui, c'est des pipes. Quoi, attention des... à ce que je mange. Ah, oui. Ah elle s'occupe non, de vous. Oui, oui, elle s'occupe de ah, moi. Ah bah oui, ça c'est bien, c'est des pipes bien, c'est parfait presque ça. Trop. Trop. Ah bon oh, ah, vous dorlote un peu. Un peu. Un petit voilà. peu, hein. Vous aimez ça vous, hein. Voilà. Ah, oh, ça fait pas ouais. de mal, hein. Ah oh, bah, ça fait pas de mal, c'est dorloté. Moi j'ai une femme, elle ne dorlote pas. Non. De temps en temps, on fait l'amour comme ça. Oui, d'accord. Ouais, mais franchement, on dirait que ça l'ennuie. Oui. Alors ah, que oui. moi, j'aime bien de temps en temps. Bah oui, bien sûr. Ça fait pas de mal de tirer un coup. C'est la nature. C'est la nature, enfin, c'est quand même bon. Bon maintenant, bon. Tichou. Voilà, ouais, je vous le viens ici, viens voir, papy. Viens là, hop, je te chope. Et voilà.